I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire. Allez, pour ce troisième épisode, peut-être le dernier épisode de The Pit, le second scénario. Pour Fallout, Jake est à la recherche de la lettre I pour intelligence pour pouvoir obtenir un compagnon pour finir la quête à l'aube de la guerre. Et grâce à la lettre I, il pourra faire venir le monte-charge. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais ça va le faire, espérons-le. Alors une chose, oui, il va... Tant qu'il est adjacent là, à la tuile, il va tenter de compléter Monsieur Je sais tout pour bénéficier d'un maximum d'influence en termes de points. Donc pour sa première action, Monsieur Jake Je sais tout découvre l'usine Ropco avec potentiellement rencontre Terre désolée de niveau 3. On n'oublie pas surtout le petit robot qui pointe le bout de ses antennes, un robot sentinelle à distance. Il va falloir faire attention, bien que l'armure de pillard me permet d'enlever une touche sur un ennemi qui possède à distance. Donc ça, il va falloir que j'y pense. Bon, plus qu'une tuile à explorer. Et il lui reste deux actions. On a des terres irradiées. Alors, pour découvrir d'autres quêtes, est-ce que je suis pas sûr qu'en faisant des rencontres, on puisse découvrir des quêtes? Je ne sais pas. Il va peut-être falloir tenter. Alors, au niveau déplacement, là, qu'est-ce que l'on peut faire en points de vie? Ah ouais, on est à 9 points de vie. Peut-être faire gaffe. C'est quoi ça? Monstre niveau 2 agressif. Ouais, si des monstres bougent, je me les prends. Donc à distance, on aurait que le robot et encore, il n'est même pas adjacent. Donc ça, c'est pas trop méchant pour l'instant. Avec mon Radaway, je peux peut-être franchir des cases irradiées et puis je me soignerai dans la foulée. 1, 2. C'est peut-être pas mal, surtout que eux, là, les esclaves rebelles vont me fiche la paix puisque je suis pote avec eux. Bon. Décision là, maintenant. On va contourner, tiens. Bah oui, pourquoi je contournerai pas? J'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc on va faire 1, 2. Non, la case est ici uniquement. Donc je passe à 4 de rad. Je défausse le radaway. Et je retombe à 0 radiation. Je ne sais pas combien il y a de cartes butin Radaway, mais là pour le coup c'est impeccable. Alors, fin de la journée 14, ce sont les créatures qui vont bouger. Et les créatures, alors on va démarrer du bas. Bas, le Darion là. Il remonte. Le t'es qui toi, Darion aussi, il remonte. Ici c'est du robot, lui a bougé. Le rat taupe remonte ici et le rat de scorpion va là. Ah, ça sent la tenaille patard. Bon, ça implique que je viens de tirer la dernière carte du paquet intrigue, donc les deux factions bougent. Je rappelle encore une fois,
les deux bouges parce que je suis en solo. Et on passe au jour 25. Allez, il fait une rencontre, terre désolée. Alors que vous fouinez dans les ruines, vous remarquez que quelqu'un a griffonné le symbole d'un oiseau sur le mur. Ce symbole vous rappelle quelque chose. Le suivre, test difficulté 4, ou bien ignorer le symbole et faire de la récup. Non, je vais faire appel à la mémoire de Mr. Jake. Je peux utiliser perception ou intelligence que je n'ai pas. Alors là, pour le coup, ça, c'est pas bien. Je vais relancer ces deux-là avec perception. C'est encore plus pourri. Pour un test qui utilise E, ça ne me sert à rien. Bon, bah, ça va être un échec. Un échec, tout simplement. Alors, échec, vous cherchez un moment sans rien trouver d'autre que des broutilles. Seulement un but. Et je ne détruis pas la carte. Alors, le butin, c'est, je trouve, Grognac le barbare, un magazine. Action de campement, si je ne possède pas S, je défausse pour gagner 2 XP. Bon, ça, je m'en débarrasse tout de suite, ça a strictement aucun intérêt. J'ai fait une rencontre, je vais faire une action de campement. Pour remonter 1, 2, 3, remonter au moins 12 points de vie. Je suis déjà bien reposé que j'ai oublié d'utiliser pendant le test. Très bien, Jake, parfait. Et je suis toujours accro d'ailleurs. Et j'ai fait mes deux actions. Donc, et bah parfait ça. Les esclaves rebelles me fichent la paix. Par contre, les monstres. Les méchants monstres. Alors, toi, tu remontes. Après, j'avais qui? J'avais l'écorcheur, la tac, qui passe au camp des pillards. Et puis le luminescent, ici. Ok, bon, ça va. J'ai réussi à m'éloigner quand même pas mal de tout ce petit monde-là. Jour 26. Bon allez, trace, on va assurer le coup. On va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais. Si, 1, 2, 3, 4. Hein. Et là, fin de la journée, ce sont les humains qui bougent en commençant par le... Dis donc, tournicotis, pillard psychopathe. Le pillard crasseux qui remonte, bah tiens, au super de Peur Marthe. Lui qui enquille la zone irradiée. Il y a pas mal d'humains. Hein. Toi, tu rejoins celui-ci. Et puis, oui, lui s'active. Voilà. C'est bon comme ceci. Jour 27. Alors là, eh bien, Jake, il va falloir que tu prennes sur toi, mais première action, zone irradiée. Exploration, il lui restera un point de mouvement. Qu'est-ce qu'on a là? Aucun pop de monstre. Et le truc strictement inintéressant, bizarrement. Ça, c'est une tuile, ouais, si, c'est une tuile qui potentiellement peut bloquer pas mal de monde, vu le taux d'irradiation qu'il y a. Bon, ah oui, tiens, d'ailleurs, je viens de rentrer, moi, dans une zone de radiation. Paf, mon petit point, là. Ok. Et bien, on va continuer le cache-cache. Il faut que je décroche la lettre I. Pour décrocher la lettre I, ça implique quoi? Que je passe de niveau et que je tire la lettre I. En tout cas, et la bonne nouvelle, c'est que je deviens monsieur je sais tout. S'il ne reste aucune tuile explorée, là, sur l'influence, ça me fait 2 points. Donc 2 et 1, 3 pour cette carte-là. 3, 4 et 1, 5 parce que j'ai 6 pions spéciales. 5 et 1, 6. Pour l'instant, j'ai 6 points.
6 sur 11, hein. C'est pas gagné l'affaire. Bon, en tout cas, avec son point, il n'a pas le choix. Il va retourner en arrière. Et nous avons de nouveau les esclaves rebelles et les super mutants. Alors, super mutants, j'en ai vu. Ah, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, là, qui remonte. Eh ben oui. Bon, ben c'est bien en même temps, hein. On ne va pas se plaindre. Ouais, c'est vrai que la pile de super mutants est assez élevée. Donc là, jour 28, il va à la Syrie. Il lui restera un point et il fait une rencontre de niveau 4, Terre désolée. Seul le bruit de vos pas trouble le silence des ruines. Tout est calme et paisible. Crocheter un vieux bureau, intelligence 3, je n'ai toujours pas intelligence. Ou chercher de l'équipement utile, perception, chance, 4 succès. Je fais donc chercher de l'équipement utile. Oh ouais, ça c'est bien ça, sans relance. J'aurais pu avoir 3 relances, mais bon, autant s'en passer. Donc, succès. Vous trouvez d'étranges inscriptions près du fond du bâtiment. Elles semblent indiquer une sorte de planque. Alors déjà, 2 XP. Ah bah oui, ben voilà, d'XP. Pas que dans les combats où on en gagne. 1, 2. 2 points d'XP. J'ajoute 0,1. Alors, si j'ajoute 0,1, c'est une rencontre terre désolée. Comme d'hab, hein, on mélange avec la première carte. J'ajoute 0,1, tac. Donc au-dessus du paquet et je détruis celle-ci. Destruction massive. Et on a dit qu'il me restait un point de déplacement. Est-ce que j'utilise ? Non. Non, non, je vais rester là pour voir jusqu'où ça peut aller cette histoire de symboles sous le bureau. Alors, les créatures pour cette fin de journée 28. Créatures, rat scorpion, rat taupe. Oui, là, toi, là. Tiens, serrez-vous un peu. Et ici, nous avons le Darion. Tac, tac, tac. Mais il peut aller carrément là, lui. Lui, il fait un grand pas de géant. D'accord, donc 29, il va refaire une rencontre. Il semble y avoir un mouvement dans le bâtiment. Vous êtes prêt au combat, mais vous détendez lorsqu'une silhouette apparaît en vous saluant d'un geste amical. Vous joindre à elle pour chercher du butin. Perception charisme 4. Elle a manifestement trouvé le meilleur butin, la tuer. Non, 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 non. Demandez à l'étrangère de se joindre à vous. Ah bah très bien. Alors ça, c'est bien parce que ça ferait avancer la quête à l'aube de la guerre. Alors, révélez des cartes à tout jusqu'à trouver un compagnon. Si vous remplissez les conditions requises, prenez cette carte, défaussez les autres. Ah bon ? Bon, ben, les cartes à tout... Ah ben, tiens, voilà, la première, c'est un compagnon. Je remplis la condition, puisque il faut que j'ai le charisme. Donc, MacReady, compagnon habitant des terres désolées. Bienvenue, MacReady. Quand vous troquez épuisé pour acheter des objets de la défausse. Ah, c'est cool, ça. Si vous possédez au moins 8 capsules, conservez ce compagnon quand il est restauré. D'accord, donc compagnon, tu vas aller ici même. Donc, il faut que je garde bien en tête surtout que je peux maintenant redescendre au sud sur la route d'Ashbury pour résoudre la quête à l'aube de la guerre. Mais cette rencontre n'est pas finie parce que demander à l'étrangère de se joindre à vous. Donc, révéler, ça c'est fait. Défausser les autres, pas besoin. Ajouter 03, 01, 02, 03 qui est de nouveau une terre désolée. Donc rebelote mélange. Et après, alors après, devenez idolâtré. Et par contre, on détruit
la rencontre qu'on vient de faire. Ça s'est mélangé, si j'arrive à les récupérer, ça va là. Je deviens idolâtré. Tac. Ah, je ne pourrai plus gagner de traits. Est-ce que c'est grave? Non. Non, non, non. Tiens, d'ailleurs, idolâtré, il y avait un compagnon qui était sympa si on était idolâtré, là. Le petit Curie, compagnon robot, épuisé pour récupérer 5 points de vie. C'est vachement bien. Alors lui, c'est une boîte à soins ambulante. Donc, j'ai ajouté 3, je deviens idolâtré et je détruis cette quête. Et ça, c'était ma première action. Et maintenant, on a dit qu'il fallait tracer. 1, 2, 3, 4, ça va pas être possible. Ah, il faudrait que les créatures bougent. Hein. Ou alors, on va refaire un contournement. Tout le temps, les zones irradiées là qui vont me gêner quand même. 1, 2, 3, 4 à l'usine Robco. Je fais un campement. Je vais en profiter. Je recampe. 1, 2, 3. Je remonte à 15. On va se préserver. Hein, Jake, il est toujours dans la continuité de sa prudence. Donc, ouais, il a campé. Maintenant, on a les esclavagistes. J'en ai seulement un ici. Les créatures. Ah, bah c'est bien ça, les créatures. Elles vont peut-être libérer de la place, là. Alors, elle. Tac. Le rataupe, tac. Après, créature, tiens, toi, le darillon, tu remontes, toi, tu viens là, oui, pourquoi pas. Et les créatures, les quatre ont bougé, mais c'est pas tout. Les robots aussi. Alors, les robots, on a le robot sentinelle qui remonte là, le protectron infirmier qui suis ici, et là c'est fait. 30. Tagazu, journée 30. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ça me plaît. Et il y va. Là, Jake, il est galvanisé. Il a MacReady qui est avec lui. Et il se dit, bon, allez, il faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. 1, 2, 3, 4. Il se prend 1, 2, 3 radiations où ça pique. 1, 2, 3. Donc il monte à 4 points de radiation. Mais tant pis, il a dérogé à sa règle. Au moins, c'est pour le bien de l'aventure. Et justement, à la fin de cette journée, encore les esclavagistes. Alors lui était ici, il va passer au camp des mutants. Et puis les mutants, justement, les super mutants. Donc il est là. Je check à chaque fois hein, si j'oublie personne, mais non, là c'est toujours bon. 31e jour. Allez Jake, en deux déplacements, 1, 2. Il a conscience qu'il y a un chasseur de primes pas loin, mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Donc là, il est en place pour résoudre son action de quête. Route d'Ashbury, n'importe quel compagnon. Donc il a un compagnon avec lui. Il gagne 3 XP. Ah bah voilà. Non, d'abord, Friedrich. On lit la carte. Il gagne 1 point... Esclave rebelle. Donc, esclave rebelle avance d'un. Ensuite, là, il gagne ses 3 XP. Il arrive sous elle. Il va bientôt passer niveau 7. Et là, on fait progresser les quêtes. Il installe 61 et 117. Et on détruit cette carte-là. Donc, 61... Et 117, 61, briser les chaînes. Ah bah oui, forcément. Qui dit esclave dit
Dis briser les chaînes, ça sent la libération, patard, ça. Allez, on commence par briser les chaînes. Les jours d'Achur sont comptés. Ses lieutenants sont portés disparus et leur place forte est compromise. Il n'y a plus guère d'espoir pour le seigneur des esclaves. Vous joindre à la garde et essayer de repérer les assassins. Action de quête sur Even, difficulté. Ah ouais, 5. Mais avec perception, endurance, chance. Plus, bien reposé. Ou bien vous assurer que le boulot est fait. Even, piocher et combattre un humain, appliquer plus 1 à son niveau. Ah oui, d'accord. Donc, ou bien on se joint à Achur et à ses esclavagistes contre les esclaves rebelles, ou bien on assure que le boulot est fait, donc on considère qu'on va aller tuer Achur. Eh bien, on va considérer que on reste dans la ligne droite des bonnes pensées de Mr. Jake, et en plus, on fera avancer les esclaves rebelles. Ça, c'est fait. Alors, il faut se rendre à Even. Et Even, c'est tout là-haut, en haut de la pyramide. Mais bon, on n'est pas si loin que ça. Allez, on passe à accès de fièvre. Une certaine docteur Diel est apparue dans une colonie voisine. Personne ne sait exactement d'où elle vient, mais elle est prête à payer un bon paquet de capsules pour un échantillon d'un produit chimique appelé VEC. Vous êtes sur la piste d'un ferrailleur qui aurait volé quelque chose correspondant à cette description. Tu es n'importe quel ennemi doté du symbole butin. Ou bien, vous ne faites pas confiance à Stoubib. Graissez quelques pattes pour obtenir des infos sur elle. On se rend au camp des pillards juste ici. Et on dépense 3 capsules. Et ça, c'est top. Pourquoi? Parce qu'on va gagner une carte intrigue. 2 butins, pif, paf, boum, bim, zoom. Alors d'un côté, on peut faire progresser la piste des esclaves rebelles. Pour avoir de plus en plus de delta entre les esclavagistes et les esclaves rebelles, ça ce serait peut-être bien. Mais en même temps, on peut regagner une carte intrigue et on est près du camp des pillards. Donc. Eh bien, oui, alors, dans accès de fièvre, il va dépenser les 3 capsules. En se rendant au camp des pillards, ça c'est vraiment pas un souci. J'en étais où moi de mes actions déplacement là? J'avais pris 3 points de 1, 2, 3. Non, j'étais là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, il est censé me rester 1 point de déplacement. Je corrigerai s'il y a lieu, mais normalement j'ai fait 1, paf, je déclenche mon action et il me reste 1 point de déplacement, donc il descend au sud. Ça avance, à grands pas peut-être. Oh la vache, là ça bouge. Ça dit quoi? Ça dit les esclavagistes toujours ici. Les monstres luminescents là. L'écorcheur. Et comment c'est toi déjà, Wogway, ici. Et les robots, oui, les 2 robots, on a le Protectron ici, et j'avais bien 2 robots. Hein. Comment ça, non? Ah, j'ai toujours cru que j'avais 2 robots, ça c'est pas du robot, non, lui je viens de le bouger. Ah bah oui, là, c'est toi plutôt, voilà. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 32e. 32e, il fait 1, 2. Et il fait une action de quête au camp des pillards en dépensant 3 caps. Donc, il va virer les 5, il récupère 2. Et il résout la quête. Donc, il gagne la dernière carte intrigue. Ça implique que malheureusement esclavagiste rejoint les esclaves rebelles et ça va, je gère. Ah, c'est quoi ça? Si vous possédez au moins 3 objets drogue,
si vous êtes également bien reposé. Ah. Donc là, il y a moyen avec cette carte-là d'avoir 3 points d'influence. Ouais, c'est pas tout mal ça. C'est pas tout mal. J'en suis à combien de points d'influence? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que je suis bien reposé. Donc, il me faudrait 3 objets drogue. Et je serai à 9 sur 11. On se rapproche. On se rapproche, les enfants. Alors, il faut que je prenne mes 2 butins. Ah bah oui. Tiens, Preston Garvey. Et pour une poignée de capsules, défausser immédiatement pour gagner 3 caps. Tac, ça, c'est pas tombé dans la poche d'un sourd. Comme disait son grand-père. Alors, Preston, compagnon milicien, il n'y a pas de condition pour l'avoir. Épuisé pour ignorer les effets de terrain difficiles jusqu'à la fin de votre tour. S'il n'y a pas de paquet 84 ou 109, conservez ce compagnon quand il est restauré. Ben moi, je considère qu'il n'y a pas de paquet, puisque on m'a fait mettre de côté une carte abri 84, mais pour l'instant, on ne m'a pas fait tirer le paquet qui est encore dans les cartes là, les cartes de quête. Donc, ce que je vais faire, tac. Je dis à Monsieur MacReady, merci beaucoup de votre petit bout de chemin avec nous, mais Monsieur Garvey, vous allez très certainement plus nous servir. Et on en était où là? On installe 119 maintenant. Accès de fièvre, on l'a résolu. 119, c'est la suite science sans conscience. Sans surprise, les renseignements glanés sur le docteur Diel révèlent qu'elle se livre à de dangereuses pratiques. Elle aurait fui vers l'Est après avoir été chassée de sa ville à cause de ses expériences. Il semblerait qu'elle en ait emmené quelques-unes avec elle. Alors, en 1, éliminez cette dangereuse mégalomane au risque de vous retrouver exposé à ses expériences. Ou bien... son travail pourrait se révéler lucratif. Tu es l'une de ses expériences, passée pour la vendre au marché noir. Tu es n'importe quel monstre. Ou bien, on revient au choix numéro 1, action de quête dans n'importe quelle colonie de niveau 3. Donc on a la propriété de Pendleton, la tour, et c'est tout. Là au plus près. Bah non, c'est pas au plus près, c'est sur la carte... Middleton ou la tour. Ok, et ça fera quoi ça? Piocher et combattre, et bien certainement la fameuse scientifique Dr. Diel. Qu'est-ce qu'on gagne par contre? Une carte intrigue? Ouais, mais elles sont bien mes cartes intrigues là. À moins que j'en trouve une mieux que ça. Après, tu es n'importe quel monstre. Il n'y a toujours pas d'armes, hein, lui. Toujours pas d'armes. Bon. Ça fait quoi s'il n'a pas d'armes? C'est... ouais, ça peut être chaud. En même temps, il a des lettres pour relancer. Il est bien reposé. Qu'est-ce qu'il va en faire? Science sans conscience. Colonie niveau 3. Aller à la tour. Ce sera certainement plus facile de tuer un humain. Je ne sais pas s'il y a des humains niveau 3, je pense pas. Bon, dans l'idée, pour la carte intrigue, ça peut être valable. Et pour briser les chaînes, donc on en revient à tracer jusqu'à Heaven. Faut tracer jusqu'à Heaven et on a dit que c'était tout là-haut. Je vais mettre combien de tours? 1, 2, 3, 4. Je vais mettre certainement 5 tours avant d'y aller, si ce n'est pas plus.
Et le paquet... Oui, d'ailleurs, il faut que je le mélange. Le paquet, il reste 2, 4, 6 et un 7. Il ne reste que 7 cartes. Cette carte, 7 et 7, 14, 3 fois 7, 21. Il me reste en fait 21 tours pour pouvoir gagner le nombre de points d'influence avant que la partie se finisse. 21 tours, c'est pas mal. Ça laisse de la marge. Mais, bon, au plus simple, de toute façon, ça va être ça, là, pour la carte intrigue. Donc, il faut que je trace sur n'importe quelle colonie de niveau 3. Voilà. Et comme j'ai Preston, je vais ignorer les terrains difficiles. Au moins une fois, parce qu'il faut que je l'épuise. Bon, ben, on va voir ça. Allez, fin de la journée 32, les esclavagistes me courent après maintenant, forcément. Et les monstres, le luminescent, toi tu rejoins. Ah, ben il y a eu un petit bug là, l'enregistrement s'est arrêté il y a quoi, peut-être bien 20 secondes. Donc j'étais en train de vous dire que quoi, qu'on était au 33e jour et que je recherchais le chemin le plus court pour tracer à la tour. Et que j'allais épuiser Preston, donc j'ignore les terrains difficiles jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, ça c'est pas mal, c'est quand même pas mal tout mal. Et ben déjà fini le 33e jour, ça va aller à une vitesse. Alors esclavagistes, ils sont où ici? Et puis super mutant, il est là. Tac, il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas d'autre. Allez, 34. Alors là, maintenant, par contre, je subis les effets du terrain. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok, bah je m'arrête là. Bon, là, il va falloir qu'ils prennent un petit peu de risque hein, quand même. C'est peut-être beaucoup dire, mais quand même. Ça me dit que esclave rebelle ne bouge pas, mais par contre, aïe, 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 ce que je ne voulais pas. Ah, bah quoique, il me rejoint là. Ouais, il me rejoint là. Enfin, il me rejoint, non. Lui, il me court après, et lui, il me court après aussi. C'était bien. Ouais, monstre. Esclave et monstre. Ok, 35. 35, et bien 35, ça fait 1, 2, 3, 4. Je suis sur une colonie de niveau 3. Donc, je vais pouvoir, au prochain tour, résoudre science et conscience. Enfin, on va tenter, en tout cas. Tac, les esclaves rebelles ne bougent pas, mais le super mutant, au plus court, toujours au plus court, c'est ici. Des fois, on est tenté de s'arranger un petit peu avec cette règle-là. Mais non, 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 pas ici, pas ici. Donc oui, 36e journée. Donc là, action de quête... De niveau 3 ou plus, oui, bah, de toute façon, j'allais pas grimper à Heaven tout de suite, autant le faire sur le chemin. Je pioche un humain, le régulateur, oh, ça doit aller ça. Et c'est piocher et combattre. Ok, donc si je le tue, je ne le remplacerai pas. Alors, combat contre le régulateur. Donc, j'ai tué le régulateur. Son butin, c'était la clé Sertube. Donc, c'est une arme, ça, c'est impeccable. Une relance avec S, en plus. Ah, bah, Jake, il est harnaché, maintenant. Il va pouvoir courir partout et puis tabasser.
comme le lui a raconté son ami Camilia. Après, mes 2 points d'XP en plus, faut pas les oublier. Alors, ça veut dire que tac tac, passage de niveau, je monte niveau 7. Je suis niveau 7. Ah oui, alors sage défaut, s'il a fallu que je relance. Et quoi? What else? Ben, c'est bon. Je ne remplace pas puisque c'était un piocher et combatté. Donc lui, il est défaussé. Mais par contre, une carte intrigue. Allez, viens là. Liberté. Ah, saloperie, c'est la même que pour chaque emplacement. Gna gna gna. Elle ne me sert à rien, je la vire. Ça, c'est couillon. Si vous subissez des dégâts, devenez un super mutant. Non, même pas. Même pas. J'ai subi 0 dégâts grâce à combinaison d'abri et armure de pillard, puisqu'il avait à distance, mais l'armure de pillard a annulé la touche à distance, et avec son autre dé, il m'avait fait 1, et c'est la combinaison qui a annulé. Donc, je ne deviens pas un super mutant. Je détruis science dans la conscience, et j'installe 120. 120, tu es ici, petite 120. Je suis un monstre. Une douleur aveuglante vous transperce alors que le sérum ravage votre corps et le fait muter. Vous êtes devenu un monstre. Le docteur Diel ne semble pas du tout surprise. Après avoir consulté quelques ouvrages et pris quelques notes, elle expose son plan pour découvrir le remède qui pourrait vous soigner. Elle a besoin d'un échantillon provenant d'un spécimen originel. En 1, récupérer l'échantillon pour pouvoir vous soigner. Il faut être super mutant. Ben, je ne suis pas super mutant. Ou alors, soigner les mutants, on s'en fout. Ce sérum doit valoir une petite fortune. Tuer un seigneur super mutant. Pour une carte intrigue, 5 capsules. Alors là, c'est un peu bizarre dans la continuité parce que je deviens super mutant. Non, il faut être super mutant. C'est là où ça déconne en fait dans certaines suites de quêtes parce que ça verrouille des choix. Ah bah oui. Là, perdez le trait super mutant, mais je ne suis pas devenu puisque j'ai pas eu de dégâts lors du combat contre la créature du docteur. Ah ça, c'est dommage. Donc ça veut dire que soigner les super mutants, on s'en fout, ce sérum doit valoir une petite fortune. Ouais, bah pas de choix. Enfin si, je sais que ce sera celui-là, mais c'est pas cool. Enfin, disons que ça me plaît pas. Mais entre ce qui me plaît et la façon dont est conçu le jeu, il faut que je fasse une croix sur ce qui me plaît. On applique la façon dont est conçu le jeu. Ok. Donc là, il me resterait dans l'idée plus qu'à, entre guillemets, plus qu'à aller à Even. Et ouais, surtout que ma clé Sertube, là, ça va fouetter grave. Alors, j'ai fait quoi ici? J'ai fait mon action de quête. Je pourrais peut-être faire une rencontre colonie. Ce sont 2 choses différentes. Allez, en deuxième action, je fais la rencontre colonie. C'est bien ça? Oui. Plusieurs super mutants sont utilisés en tant que bêtes de somme à l'extérieur de la ville. Les maîtres sont cruels, mais la terre est riche et les cultures bien entretenues. Forcez si vous êtes un super mutant. Bah, décidément. Non, je ne suis pas. Alors, en 2, profiter de l'abondance du marché. Ou bien libérer les super mutants. Bah oui, allez, Jake va se mettre en tête de libérer les super mutants. Donc ça fait quoi ça? Charisme ou force? 4 succès. Alors, j'ai charisme, je relance. Eh bien voilà, ça fait même 5 succès. Et pas belle la vie? Succès. Grâce à un mélange de supplications et de menaces, vous parvenez à convaincre les habitants de libérer les créatures. Les mutants s'enfuient dans la nature. Alors, 2 XP,
Ça, c'est toujours bon à prendre. On ajoute 12. Tiens donc. Ah oui, mais ça va être une... C'est une rencontre terre désolée, ça. Donc, je mélange. Et je peux troquer. Je peux troquer du niveau de colonie. Donc, c'est possibilité d'achat de 3... Bon, ça, c'est mélangé. Oui, c'est réalisable d'une main. Troquer, bah, allons-y. Hein. Je rajoute un atout. Un manteau roussi A. Pendant un test qui utilise A ou L, ajoutez une touche. Ouais, c'est vachement bien ça. Je crois que c'est vachement mieux que l'armure de pillard parce que je trouve que c'est vachement mieux. Donc, il me faut 6 caps. Oh mince, 2, 4, ah si, 2, 4, 6. Mais il ne me fallait pas 3 caps pour faire je sais plus quoi. Ah non, c'est passé ça. Bon. Ah bah sans hésiter, mais alors sans hésiter, je revends l'armure de pillard donc pour 2. Il me semble bien qu'on revend en enlevant 1, une caps, donc je récupère 2. J'achète pour 6, waouh la classe, un manteau roussi, une clé serre-tube, 2, 4, 6, allez, il lui reste quand même 3 caps. Voilà, ça c'est très bien. Et puis quoi, what else? Troquer, détruire, paf. Alors, avant de détruire, je vais quand même m'intéresser à la fin du troc, puisque je n'ai fait qu'un seul achat. L'histoire du compagnon, là. Il faut être idolâtré, et je suis devenu idolâtré. Épuisé pour récupérer 5 points de vie. Bon, je dis au revoir à Preston. Au revoir Preston. Et bonjour Curie. Je t'appellerai Pierre. Non, je t'appellerai même Pierre et Marie. Pour aller jusqu'au bout de la vanne. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, il faut rajouter systématiquement une quatrième carte. Ah bah décidément, encore un compagnon. Avant un combat épuisé pour augmenter votre défense de 2. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, et c'est bien parce que c'est la troisième partie que je fais et je découvre là pour le coup des cartes, de nouvelles cartes qui sont super, qui donnent une très très bonne combinaison. Reprenons à la fin de la journée. Les esclavagistes, ils commencent à m'emmerdoyer, les esclavagistes. Bon, en même temps, ils sont pas bien méchants, là. Hein. Par contre, les créatures, allez, tiens. Non, toi, tu me rejoins par là, au plus court, le sud. Le râteau, paf, ici. Toi, tu traces là, créature, là. Créature, 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 elles se sont toutes baladées, c'est bien. Et les robots. Toi, tu reviens là et toi, tu viens ici. C'est pas tout mal. Jour 37. Alors, on trace à Even. On trace à Even. 1, 2, 3, 4. Lui, il n'est pas agressif. 1, 2, 3, 4, une radiation. Encore radiation, il faut se calmer. Il hein. Faut peut-être un petit peu se calmer. Parce qu'il suffit qu'en un seul combat, je me retrouve à perdre 8 ou 9 points de vie pour X raisons. Quoique là, bon, ça serait peu probable. Ceci dit, un bon gros monstre niveau 3. Et le Jake, il va retourner chez Moment. Bon, alors bouge. Ah ouais, alors si je veux, bah non, bah je peux pas. Je pourrais pas de toute façon éviter la zone de radiation là. Donc 1, 2, 3, 4. Allez,
Jake, là, tu t'es découillonné, je sais pas comment le dire. Enfin, vous comprenez l'esprit, hein. Et là, il a tout claqué, ses actions. Uniquement les créatures. Et c'est la dernière carte du paquet. Donc, eux avancent. Ça veut dire qu'il ne me reste plus que 7 tours pour pouvoir faire, faire le décompte des points. Tac, tac. Ça s'est mélangé. Et il ne faut pas oublier de bouger les créatures, on a dit. Oh là ! Ah ! Combat. Alors, je vais bouger d'abord celle qui ne déclenche pas de combat. Toi, toi. Toi, t'as pas bougé. Tu viens là. Ah, elles étaient tout au nord. Elles sont tout au nord, les créatures, et on en a bien 4. Donc, le dada, le rion, niveau 2, tête torse. Allez, viens prendre un petit coup de clé sertube derrière les oreilles. Donc, combat contre Darion. Bon, l'autre a repopé au plus près, ici, là. Donc, au plus près, assez loin. Parce que je n'ai pas vu de symbole créature. Là, je t'ai pas oublié, non. Donc, ça, c'est fait. C'était le tour des ennemis, donc jour 38. Eh bien, jour 38, toi tu traces alors 1. Il l'avait pas pris par contre son point de radiation. Voilà qui est corrigé. Donc 1, 2, 3, 4, il va à Heaven. Mais il a fait toutes ces actions, donc les esclaves rebelles ne bougent pas, mais le super mutant, oui. Où te caches-tu, petit super mutant? Voilà, te voilà. Frappeur super mutant, c'est bien. Donc tu vas ici. Ah oui, et moi, il faudrait que je tue éventuellement un seigneur super mutant. Mais comment on le fait popper, ça, le seigneur super mutant? Je suis en train de me poser la question. Parce que là, il n'y en a pas sur le plateau. Il n'y a plus de tuiles à être tournées. Donc je ne peux pas faire venir un seigneur super mutant. Ben non. Donc ça, ce serait typiquement le cas d'une quête que l'on ne peut pas résoudre. Mais même si je jouais, enfin même si on était plusieurs à jouer, personne ne pourrait la faire. Ah si, si si. Si on jouait à 2, 3 ou 4, il y aurait peut-être un autre joueur qui serait super mutant. Eh ben non, mais ça n'empêche pas. Tu es un seigneur super mutant, donc... tiens, c'est bizarre, ça. C'est vraiment bizarre. Ouais, dites-moi si vous voulez la façon dont vous joueriez ça, mais pour moi, c'est un effet bloquant, là. Il n'y a pas de seigneur super mutant sur la map, et je ne vois pas comment ils vont pouvoir apparaître. Sachant que dans la pile de pioche, escarmoucheur, ben voilà, seigneur super mutant, on n'a qu'un seigneur super mutant. Je vais remélanger ça, mais tiens, ça va mettre dans les effets, enfin pas dans les effets, si, les effets de jeu négatifs, ça, c'est pas un bon point pour le jeu, ou alors il y a une chose qui m'échappe. On verra bien, qu'est-ce que je disais de faire, moi, journée 39. Alors, je suis à Heaven pour briser les chaînes. Je fais, première action, une action de quête. Je pioche et je combats un humain, un pillard psychopathe. Appliquer plus 1 à son niveau, donc il devient niveau 3. Donc là, ça peut faire très très mal en termes de points de vie.
Il va pas falloir que je me loupe. Allez, on le fait. Je ne couperai pas ce combat au montage. On le fait dans les règles. Voir si je me plante pas en plus. Alors, je ne touche qu'aux jambes et au torse. Donc là, je l'ai touché. Là, je ne l'ai pas touché. Il va falloir que je relance. J'ai S avec mon arme. Je relance déjà 2 dés. Ah, c'est bien ça. Torse, oui. Torse, jambes, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. Non, ça fait bien un résultat. Donc, grâce à la combinaison au manteau, j'annule 2 touches. J'annule ses touches à lui. Il me fait une touche, donc je prends 3. Je prends 3 quoi? Eh bien, 3 points de vie. Je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Ça, c'est une première chose. Il ne faut pas oublier l'effet pervers de la clé Sertube. Pendant un combat, si vous dépensez un résultat comme... Ah non, c'est tête-touche. Et je ne dépense pas tête-touche. Sinon, il aurait fallu que je défausse. Ah, c'est cool, ça. Donc, ça dit quoi? Un butin, déjà. Oh, high bot. Épuisé pendant votre tour, jusqu'à la fin de votre tour. Vous pouvez effectuer des actions autres que de combat, comme si vous étiez dans n'importe quelle case adjacente à la vôtre. Oui. Si vous êtes adjacent à une tuile inexplorée, conservez ce compagnon quand il est restauré. Vache. Alors, vous pouvez effectuer des actions autres que combat, comme si vous étiez dans n'importe... Ah, oui. Ah ouais, par exemple, je suis adjacent à une case colonie, bim, je peux faire mon action. Oui, mais non. Allez, au revoir, petit highboat. Non, non, je préfère Pierre et Marie, là. Très bien, ça. Ensuite, ça sent le niveau... Ah oui, alors j'étais niveau 7, ça sent le niveau 8. Parce que le pillard psychopathe, 2 points d'XP, 1, 2, je passe un niveau... Donc, je passe niveau... non, niveau 7. Oh, je sais plus, je corrigerai. C'est pas grave, pas de panique. Ça, c'est rien, ça n'a pas d'incidence sur le jeu. C'est moi qui les ai instaurés, les niveaux. Les lettres. Les lettres, je prends quoi? Ça, bing, ça, c'est bon. Elle, bah, de toute façon, non. Elle, je m'en fous. Et paf! I. Ah ouais, donc, unique en son genre, je possède des 7 pions spéciales. Donc là, je suis au max de ces 2 cartes-là. Ce qui est déjà pas tout mal. J'oublie quoi d'autre? C'était un piocher et combatté, donc... Il n'y a rien qui repop. Et je finis de résoudre cette quête-là. Plus 1 aux esclaves rebelles. Ah ouais, alors par contre... Prochaine fois que la pioche... Ah non. Non, non, je vous dis une connerie. Enfin, je ne l'ai pas dite, mais je dis rien. C'est tout bête, je ne dis rien. Donc, eux, ils ont avancé. Placer un esclavagiste sur le pont. Bah pourquoi? Bon, j'ai plus de socle. C'est pas grave, il va se mettre là comme ça. Placer... un esclavagiste sur le pont, je gagne 3 XP, mais volontiers, 1, 2, 3. J'installe 64 et 157, et je détruis. J'installe 64, déjà. 63, 64, d'accord. Et on a dit 157, où est-ce que tu te caches? 151, 159 forcément, 157. Alors, ça veut dire qu'on se retrouve avec la peau de l'ours et Patouche. Celle-ci, on la vire. Allez, 64 la peau de l'ours.
Le prix de l'ours en pluche est à la hausse. Oui, vous avez bien lu. En dépit de la mort d'Achur, les esclavagistes ne se sont pas dispersés. Sandra, une scientifique qui jouit d'une certaine réputation, a pris leur tête et elle offre des sommes alléchantes pour des ours en pluche. Allez savoir pourquoi, mais cela a permis aux esclavagistes de se reformer. Amener une collection d'ours à Sandra. D'accord, donc on retourne à Heaven, on défausse deux cartes bric-à-brac et je n'en ai qu'une. Par contre, là pour le coup, ce sera les esclavagistes qui vont progresser de deux. Donc c'est même pas la peine puisqu'ils gagneraient. Ou bien, quoi qu'elle cherche, elle ne doit pas l'avoir. Acheter et planquer plusieurs ours en pluche. Non plus. Ah, ça, c'est une quête que je ne dois pas faire. Parce que je ferai progresser les esclaves rebelles et ils gagneraient aussi. Donc, la peau de l'ours, on vire. Tac, on ne fait pas. Tiens, il pend. Un marqueur rouge. Après, pas touche. La rivalité entre Metner et Somerville dure depuis des années. Ce qui n'était au départ qu'une simple dispute s'est transformé en une guerre ouverte. Ce coup-ci, Metner a bâti un bunker indestructible et Somerville est en train de bricoler un truc qu'elle a trouvé dans les terres désolées pour en défoncer l'entrée. Alors en 1, voler le prototype pour le compte de Metner. Alors, action de quête à la propriété Pendleton qui n'est pas très loin. Pour une carte intrigue, ou bien aider Somerville à bricoler son engin à l'usine Robco. Elle était loin, l'usine... Ah non, elle est là. Ouais, les deux sont proches l'une de l'autre. Et ça fait quoi? Gagner l'atout unique Supermasse. Non, bah là, je suis plutôt à la recherche des cartes intrigues pour du point. Hein. Donc, voler le prototype. Ah, là, mon petit Jake, clairement, tu vas t'éloigner de tes principes. Donc, pour répondre à la question de l'un de mes abonnés, je suis désolé, j'ai oublié ton nom, tu t'étais posé la question de savoir, bah, à essayer de jouer roleplay avec Jake ou Camilla, est-ce que ça allait pas verrouiller quand même à terme certaines options pour pouvoir gagner? Alors oui, effectivement, autant ça peut être jouable allez, dans les 10 premiers tours de jeu. Par contre, quand on est comme ça au coude à coude sur le point de perdre ou bien sur le point de gagner avec les points d'influence, clairement, il faut passer outre l'aspect jeu de rôle et puis rentrer vraiment dans le côté gagner la partie. Donc il va aller voler, il pète un câble, Jake, il n'en peut plus des terres désolées. Il va courir à la propriété des Pendleton. Est-ce qu'il avait fait ces deux actions, Pépère? Très bonne question ça, je n'en suis pas sûr. Il avait fini ici, 1, 2, 3, 4, non, c'était sa première action. Il avait résolu la quête, ok. Il lui reste donc deux actions à faire. Éventuellement deux mouvements. Eh bien, 1, 2. On va finir sur le mouvement de troupes, à savoir esclaves rebelles, non. Ou les monstres. Enfin, c'est pas où, c'est et les monstres. Mon petit luminescent. Non, tiens, on va commencer par toi. Toi, tu remontes là. Écorcheur au camp des super mutants. Et le luminescent. Ici même, et on va finir le troisième épisode ici. Et bien, il y a de fortes chances que le quatrième épisode soit assez court, mais c'est pas grave. Donc, j'attaquerai au 40e jour. Et là, je suis à combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, je peux être à 9 si je deviens bien reposé. Je peux être à 10 si j'ai au moins 3 objets drogue. Et c'est pas gagné l'affaire. Hein. C'est pas du tout gagné parce qu'il va me rester...
possibilité. 1, 2, 3, 4, 5. 12 tours. 12 tours avant que là ça gagne. Et ben ça sera un quatrième épisode assez intéressant. Il faudra jouer la montre comme j'avais fait avec Jake au premier scénario. Très bien, et bien à très très bientôt pour la suite et fin de The Pit. Et merci d'avoir encore suivi. Ciao ciao.